calculé. C'est protégé par un champ de force. Nous nous sommes dit que la seule façon de le convaincre de nous ouvrir, c'était de lui offrir un gâteau d'anniversaire géant. Mais info. Exactement. Nous nous cacherons dans le gâteau géant. Et quand Chaos nous aura laissé entrer, hop, tout le monde attaque. Il faut trouver des ingrédients. Sal dit qu'ils offrent des ingrédients de gâteau à quiconque remporte le combat d'arène, ici. Blobbers et Kali ont trouvé quelque chose dans le donjon, par là. Peut-être un ingrédient, peut-être un fantôme. Tu as sûrement hâte de savoir. Arène de combat. Génial! Je suis content que tu sois là. J'ai enfin été engagé pour chanter l'hymne national à cette compétition. Mais il manque un concurrent. Tu me rendrais bien service si tu acceptais de te battre. Oh, et est-ce que je t'ai dit que le premier prix, c'est un ingrédient qui pourrait servir à ton gâteau géant? Intéressant, non? Ils sont vraiment géniaux. Grosso modo, le truc le plus génial du monde. On n'a pas d'autres paroles pour notre hymne national. Mais ça, c'est déjà pas mal. Allez, Skylands! Vous écoutez Radio Trollsport, K-Trops. Et je suis accompagné aujourd'hui par Broccoli Guy, qui va commenter avec moi le prochain combat. Et ça risque bien d'être un sacré combat d'arène. D'un côté, nous avons les Skylanders, les héros que nous aimons tous. Et de l'autre côté, nous avons... Bah, pour être honnête, je ne sais pas du tout contre qui ils vont se battre aujourd'hui, Tilbill. Maintenant que tu le dis, je n'en sais rien non plus. Mon producteur me fait signe que nous allons vite le savoir. Donc, passons tout de suite à l'action. C'est les Skylanders qui frappent en premier. Ils n'ont plus qu'à faire la même chose comme votre fils, et ça devrait aller. Ah,
temps est magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas, Brocoligaï? Ah, c'est sûr, même si je me dois de préciser que, me semble-t-il, la météo ne change jamais par ici. Enfin, il me semble. On dirait que les Skylanders s'en sortent bien, Brocoligaï. Oui, les Skylanders se servent de leurs meilleures compétences pour tenter de dominer le combat. Combat? Je me demande s'ils si ont d'autres compétences. Le tissage de panier sous-marin. Le chantier. Je ne crois pas qu'il existe un ennemi plus banal dans les Skylanders. Encore un qui mord la poussière. Et croyez-moi, ça n'a pas bon goût. Et je parle de la poussière. Voilà, je me demande pourquoi ils ne font pas leur valise pour rentrer chez eux. Bien, c'est la troisième manche. Nous avons du sérieux. Oh, tout à fait, Chilville. Ça fait exactement un chiffre de plus que la deuxième manche. Voilà une analyse extrêmement pointue que vous n'entendrez sans doute sur aucune autre radio. De la balle. Oh oui. Si j'étais à la place du Skylander, je n'aimerais pas me prendre une telle déculottée. Et de toute façon, je ne suis pas à la place du Skylander, alors ça règle le problème. Ça va. Plus tard, l'ami. Même si je pense qu'on ne le verra plus, ça peut être lié au fait d'avoir perdu. Les Skylanders votent plein de fesses aujourd'hui. C'est vrai, Chidwill. On dit souvent qu'ils votent des fesses, mais on ne se rend pas compte à quel point ça en fait plein. Pour voir Sky Chief prêt. C'était excellent. J'ai ri, j'ai pleuré, mais surtout, j'ai passé un superbe moment. Heureusement que tu as arrêté de rire et de pleurer parce que je trouvais ça un petit peu exagéré. Mais c'est une belle victoire pour les Skylanders. Merci de me recevoir. En effet, on peut dire que les Skylanders ont joué de la batterie sur la tête des méchants dans ce combat. En plus de mes remerciements, j'ai réussi à shipper 200 livres de beurre sur un stand de l'arène. Ce serait parfait pour ce gâteau géant que tu fais. J'avais du mal à voir ce que ce stand pouvait faire de tout ce beurre de toute façon. Jetvax s'efforce de récupérer des ingrédients de gâteau, mais il a un problème avec un créationneur. Aigle, obtiens les ingrédients et je te dirai peut-être ce qu'est un créationneur. Jetvax réclame ton aide sur le destroyer. Il dit que c'est aussi important. Il y a un ingrédient à la clé. Content de te revoir dans le destroyer, Skylander. Quand nous avons éjecté ces vautours du navire, ils ont juré de se venger. Je me suis dit qu'on pouvait juste s'asseoir et les attendre tranquillement, ou bien... on peut détruire leur flotte avant qu'ils ne passent à l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque, tout ça.
Et puis, ils ont volé mon déjeuner, et en soi, ça mérite déjà une punition. Alors prends la barre qu'on aille les bombarder. Approche-toi et détruis les cibles. Méfie-toi des chasseurs. Excellent travail. Un transporteur, tire. Méfie-toi des chasseurs. Vaisseau réparé. Méfie-toi des chasseurs. Mayday, mayday. Plus que quelques-uns. On ne va pas résister longtemps, Skylander. Encore un boulot réussi, Skylander. Toute la flotte te doit une dette de gratitude. Mais comme la gratitude ne paie pas les factures, nous avons pu nous emparer d'ingrédients cruciaux pour le gâteau. Cela dit, toujours aucune trace de mon déjeuner. Il paraît que les vautours ont volé des ingrédients de gâteau à Flynn. Ah, les sales bêtes. Tu devrais les éliminer et rapporter nos ingrédients. Stealthelf se demande si tu veux bien l'aider à gagner des combats d'arène. Tu pourrais remporter des ingrédients de gâteau. Un roi maléfique a ouvert une boutique dans cette ville et a coupé notre accès aux ingrédients de gâteau. Double punition! Nous devrions réagir vite et efficacement. Arène de combat. Mmh.
Merci d'être venu jusqu'ici, Skylander. Je t'ai choisi pour me représenter dans un combat judiciaire. Tu veux savoir pourquoi on me juge? Je n'ai pas payé mes amendes. Oui, j'oublie toujours d'acheter mes tickets de stationnement. Bref, si tu peux défendre mon honneur en gagnant dans l'arène de combat, je n'aurai pas à payer mes amendes. Et on obtiendra des ingrédients pour le gâteau. Super! C'est moi, Brocoli Guy, et je suis impatient de voir le combat. Impatient et affamé. Que diriez-vous de commencer pendant que je vais commander une pizza? Au départ pour le Skylander, il se jette tout de suite sur l'ennemi. Sinon, comment t'as trouvé ce nom là, Chip Bill? Au début, c'était juste Bill. Mais j'avais un ami bec avec un cheveu sur la langue. Et puis, le surnom est resté. Ah, le champion. Je crois pas qu'il existe un ennemi plus banal dans les circonstances. Il suffit de changer un peu de moins sec pour faire un fait plus sec et top fort. Adios! Au moins une, et je me demande ce qui est arrivé à la pizza que j'ai commandée. J'espère qu'elle a pas été livrée au mauvais Brocoli Guy. Cyber Ça sonne roussi pour les Skylanders. Oh ça, ils devraient s'en souvenir. Les Skylanders votent plein de fêtes aujourd'hui. C'est bon, j'ai terminé. Il en reste au moins une et je me demande ce qui est arrivé à la pizza que j'ai commandée. J'espère qu'elle a pas été livrée au bon endroit, collègue. Le Skylander croque la vie à plein temps. J'espère qu'il pensera à se les brosser. J'adore le Sky Chief. Et par contre, avant, on se battait contre les Skylanders, mon collègue. Oui, et je me demande vraiment comment on a pu oser quand on voit à quel point ils sont forts. Allez. Les méchants se sentent pousser les ailes, Chippy. Oui, on peut dire qu'ils survolent le combat. Même s'ils sont encore au sol, bien sûr. Eh bien, Brocoli Guy, nous avons eu affaire à une belle démonstration de prouesse pugilistique. Oh, je ne l'aurais pas mieux dit, Chill Bill. Même si je dois admettre que je ne sais pas ce que prouesse pugilistique veut dire, mais ça ressemble à quelque chose de positif. Waouh, Skylander, c'était splendide. Je n'étais donc pas coupable de ne pas avoir payé les tickets de stationnement. C'est la justice qui le dit. Rien ne vaut les combats judiciaires. Comme promis, voilà ta récompense. Waouh, j'ai vraiment choisi la bonne personne pour me représenter dans un combat judiciaire, hein? Et non seulement mon innocence est désormais reconnue, mais on a des ingrédients pour le gâteau. Génial. Certains ingrédients que nous cherchons sont dans la chambre sous la forteresse du ciel. Va voir.
Tu savais qu'Eruptor est banni de toutes les arènes de combat des Skylands? Cela dit, rien ne t'empêche de te battre pour son compte, surtout quand le premier prix est un ingrédient indispensable du gâteau. Un roi maléfique a ouvert une boutique dans cette ville et a coupé notre accès aux ingrédients de gâteau. Double punition! Nous devrions réagir vite et efficacement. Arène de combat. Salut Skylander. Figure-toi que la commission des combats d'arène m'a interdit de participer à cet événement. Je suppose que les attaques à la lave ne sont pas réglementées. Mais toi, tu craches pas de lave. Et la récompense de ce combat, ce sont des ingrédients pour gâteaux dont on a vraiment besoin. Alors si tu entrais dans la bataille... Encore toi? Toujours envie de te battre? Tant mieux, parce que c'est ce que tu vas faire. Ah, c'est ce que j'appelle lancer les hostilités dans l'arène. On va vers l'ennemi et... Ah, n'est sans doute pas très agréable. Sortez ce gros machin de là! C'est sans doute ce que les Skylanders se disent maintenant! Il suffit de changer un peu de moins sec pour faire un mec, mais ça ne touche pas! Adieu! J'aimerais pas être à ta place! Oh oh! Niveau-là, je me demande pourquoi ils ne font pas leur valise pour rentrer chez eux. Ben, je pense qu'ils sont tous venus ensemble. Alors rentrer chez eux demandera un gros effort de coordination. Et je doute qu'il soit suffisamment... Bon, j'ai terminé. Il en reste au moins une. Et je me demande ce qui est arrivé à la pizza que j'ai commandée. J'espère qu'elle n'a pas été livrée au mauvais brocoli guy. M'a planté. Il n'y a plus rien à voir. Ce combat vous est proposé par les Disney au moment de Bill le Fermier. Encore une manche, mais la partie reste ouverte. Les Skylanders, ces méchants non identifiés, et pourquoi pas moi et Brocoli Guy. Le nom du vainqueur reste en suspens. C'est bon, vous pouvez dire adieu à cet ennemi. Mais je dois s'y comprendre. Oh, bien joué. Alors, Chill Bill, quelles sont les chances de victoire des Skylanders, selon toi? Ben, comme ils viennent de gagner, je dirais... 100%. Oh, Skylander, c'était vraiment magnifique. Je n'aurais pas fait mieux moi-même, enfin, je crois pas. Bref, bon boulot. Super! C'est comme ça qu'on obtient les ingrédients d'un gâteau géant. Oui, je sais, certains préfèrent aller dans une boutique et acheter des machins, mais nous, on fait pas comme ça. Thank you.
mauvaises elfes pensent que certains ingrédients que nous cherchons sont dans la chambre sous la forteresse du ciel. Va voir. Blobber et Kali ont trouvé quelque chose dans le donjon par là. Peut-être un ingrédient, peut-être un fantôme. Tu as sûrement hâte de savoir. Jetvac s'efforce de récupérer des ingrédients de gâteau, mais il a un problème avec un créationneur. Aide-le, obtiens les ingrédients et je te dirai peut-être ce qu'est un créationneur. Champ de bataille éclair. Skylander, ça faisait un bail. Je me souviens avec émotion avoir combattu avec toi pour libérer un noble navire comme si c'était hier. C'était peut-être hier d'ailleurs, ou aujourd'hui. Mais en tout cas, nous avons un autre combat à mener. Mais cette fois, notre adversaire est une station de création devenue folle. Son dysfonctionnement crée des robots verts maléfiques. Il faut la détruire! Notre station de création fabriquera des robots soldats non maléfiques pour t'aider à la détruire. Que le vent t'aide! Les Skylander Tech sont plus forts ici! Les Skylander de la magie sont plus forts ici! Ah ah ah! Les Sensei sont plus forts ici. Skylanders de la Terre sont plus forts ici. J'adore le Sky Team. De la balle. Carobade. Excellent travail, Skylander. Nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui. Les robots maléfiques, c'est mal. Et je pense que tu as bien mérité cette récompense. Nous avons libéré les sacs de farine de la machine maléfique. Ce sera parfait pour le gâteau.
croyez. Salut Skylander, c'est encore moi, Blobbers. Ce que je fais sur ce vaisseau? À vrai dire, je n'en ai aucune idée. Je me suis endormi et je me suis réveillé ici. Heureusement, d'ailleurs, parce que les vautours ont dérobé tous les ballons des Mabous juste avant leur festival des ballons. Ça te dirait de détruire leur flotte pour les venger? Et puis aussi, récupérer les ballons? Tire sur les transporteurs pour libérer les ballons. Attention aux chasseurs qui volent les ballons! Voilà nos ballons! En voilà un qui sera présent au festival! Vaisseau réparé. Oh non, un autre vaisseau des vautours. Vaisseau réparé. Les ballons! Tire sur les transporteurs pour libérer les ballons. On a un ballon! Bien fait, les vautours! Voilà nos ballons! Voilà un qui sera présent au festival. Attention aux chasseurs qui volent les ballons. Oh, Skylander, tu as sauvé le festival des ballons des Mabous. C'est tout à fait normal que nous t'aidions à préparer le gâteau géant que tu veux offrir à Chaos. Tiens, prends donc ces ingrédients et fais-en bon usage. Armure de terre. Nouvelle queue. Ensemble terminé. Nouvelle armure de bras.
Allez-y! Pas la peine de crier!